Chers amis, bonsoir. Nous voici tous réunis, un groupe représentant l'Oulipo, pour cette lecture sur le thème de Uranus. Pourquoi Uranus? Eh bien, parce que nous explorons cette année, entre octobre et juin, nous explorons les planètes du système solaire. Nous en sommes arrivés au mois d'avril, précisément à Uranus, et pour servir Uranus, je présente les Oulipiens ici présents. Il y a Eduardo Berti, que vous voyez, alors selon la disposition, je ne sais pas très bien, que vous voyez peut-être en haut à gauche. Juste en dessous, vous voyez Frédéric Forté, avec une nouvelle coupe de cheveux. Juste en dessous, nous arrivons à Daniel Levin-Baker, qui a toujours, oui, la même barbe, me semble-t-il. Et puis, je tourne comme ceci. Donc, en bas à droite, selon la disposition des écrans, je crois repérer Ian Monk. Et je remonte au-dessus de Ian Monk, nous arrivons à Étienne Lecroix, voilà, qui vient de voilà. Et puis, au-dessus d'Étienne Lecroix, je crois que c'est moi. Alors, voilà, c'est moi. Et je suis Olivier Salon et je vais un peu animer cette lecture. Eh bien, après cette brève introduction, rentrons dans le vif du sujet, et je crois que Étienne Lecroix a une série, une petite série de narrations autour du zeugme. Alors, peut-être faut-il rappeler, est-ce que tu avais l'intention de rappeler ce qu'était le zeugme? J'avais l'intention. Alors, la parole est à Étienne Lecroix pour le zeugme. Connaissez-vous l'histoire du dieu Uranus? Laissez-moi vous la raconter en quelques épisodes. En des temps orageux et primordieux, naquit le dieu Éther. Il prit force et vigueur, et pour épouse, sa sœur, la déesse Jour. Elle lui donna bien du plaisir et un fils, Uranus. Le dieu Uranus était encore jeune lorsque la déesse Tellus Mater passa sous ses yeux et quelque temps plus tard à la casserole. La figure de style que j'utilise pour raconter ces histoires d'Uranus est le zeugme, dont vient de parler Olivier. Le zeugme, c'est, on peut le définir comme cela, l'assemblage d'éléments de nature sémantique et syntaxique différentes. Une figure de style déjà bien usitée par les Oulipiens et notamment Olivier Salon. Je me suis rendu compte que c'était… Avant moi, il y en a eu d'autres. Hein. Oh, il y en a eu d'autres. Rappelons le fameux… zeugme de Victor Hugo dans Boz endormi, qui décrit le vieillard Boz comme étant, et maintenant je cite un alexandrin, vêtu de probité candide et de lin blanc. Vêtu de probité candide et de lin blanc. Voilà. À la fois une qualité morale et une qualité physique. Et ici, on a entendu, lui donna du plaisir. Voilà, c'est un verbe qui gouverne deux compléments, le verbe étant pris dans deux acceptions différentes. Je redonne la parole à Étienne, pardon. Alors donc, je me suis rendu compte que le zeugme, c'était un moyen très efficace de raconter des courtes histoires, et j'ai donc créé des zeugmes dessinés d'une page. En voici un, le voici. Elle m'a tapé. Voici la page entière, et je vais la lire case par case. Elle m'a tapé, vous gardez ça en tête, elle m'a tapé sur l'épaule, la causette, dans l'œil, le carton, sur les nerfs, sur les doigts, le bon rythme, sur le système, les trois coups, sur la tête, une lettre et 2000 balles. C'était « Elle m'a tapé ». Merci infiniment. Très bien. Eh bien, je vais me donner la parole. J'ai traité les différentes planètes précédentes plus par le signifiant que par le signifié, donc je ne vais pas parler vraiment de la planète Uranus, mais je m'intéresserai simplement à la rime. Et
J'ai commis il y a quelques années un recueil de sonnets qu'on appelle monorime, car les 14 vers sont gouvernés par la même rime. Alors pourquoi pas une rime en us pour rimer avec Uranus. Je voudrais vous parler d'un drôle de Gugus, dont le nom au bas d'un prospectus, vétusté, parchemin, j'aurais dit papyrus, ce gars lui-même avait l'aspect d'un papy russe. Au fauteuil allongé, il se balance et suce une vieille pastisse au goût d'eucalyptus et me prie de m'asseoir sur un curieux cactus en me disant mon cœur, ma tagada, ma puce, pour parler franc, c'était un vil olibrius que j'aurais dû sans peine aplati sous un bus, gros tas de flasques chères réduites au seul prépuce. Ici, son cubitus, là-bas, son numérus, fini son numéro, pardonnez mon lapsus, je ne peux m'empêcher de conclure en astuce. Voilà, alors fin de ce sonnet. Un sonnet, c'est toujours très court, ça se lit en une minute. Je précise simplement que dans les sonnets monorimes, toutes ces rimes sont en us, mais j'alterne des rimes, comme on le fait dans le sonnet classique, j'alterne des rimes masculines, c'est-à-dire qui se terminent en us, us, comme cactus, eucalyptus ou papyrus, P-A-P-Y-R-U-S, et des rimes féminines qui se termine en U2SE, comme ma puce, ou UCE, en tout cas par un E muet, comme astuce, et aussi comme papy russe en deux mots. Voilà, c'est le principe des sonnets classiques monorimes. Et bien voilà pour ce sonnet, et on va donner la parole à Daniel Levin-Baker, qui a inventé une forme qu'il exploite et qu'il explore toute cette année durant, qu'il appelle la roulette wikipédienne. De quoi s'agit-il, en admettant qu'on n'ait pas suivi les épisodes précédents? De quoi s'agit-il, cher Daniel, que cette roulette wikipédienne? Merci Olivier. Je vous rappelle le principe, c'est qu'il s'agit des fragments de texte prélevés dans les articles de Wikipédia, justement, qui portent comme titre Uranus, dans ce cas où... Pour d'autres lectures, Jupiter, Saturne, et ainsi de suite. Ça fait et la planète et le dieu. Et pour Uranus, par exemple, ça nous donne droit aussi à l'opération militaire, le roman de Marcel Aimé, et ainsi de suite. Et donc, c'est une quantité, en l'occurrence 24 fragments de texte, avec une quantité égale d'images prélevés dans les mêmes sources, les mêmes pages Wikipédia, que je vais ensuite recombiner selon l'humeur des fiches Bristol. Petit hommage à Frédéric Forté et ses poèmes Bristol. Donc je vais vous montrer. Vous voyez? Nous voyons très bien. Super. Le cafetier malmène le cheminot. L'avant-guerre, la guerre et l'après-guerre. Excédé, étouffé. Serge Danet en resta meurtri. Une très faible taille apparente. Ni collier, ni calotte. Quand la calomnie est en passe d'être découverte. Un grand plaisir à agir comme un causeur de mots, M-A-U-X. Les grenades explosaient rarement. Autres émissaires, toutes ravissantes, ses concubines. Elle est ainsi facilement distinguable avec des jumelles. Les petits arrangements avec les consciences. Complétant ainsi l'encerclement des unités allemandes.
Il engendra, entre autres, une forme de langue tire-bouchant s'étendant sur des millions de kilomètres derrière elle. Des alexandrins dont voici un exemple. Ainsi naquirent les furies vengeresses qui ne peuvent provenir que de sources externes. Rejeté à la mer, il aurait donné naissance, augmentant progressivement le grossissement. Le mécanisme en cause de ce résultat contre-intuitif est inconnu, mais pourrait être dû à un processus de distribution de la chaleur. Ce qui fut fait, moyennant certaines conditions d'excentricité et d'inclinaison. Et pour finir, des indices concordants avec une observation, mais sans preuve définitive. Voilà, merci. Merci pour cet art subtil de la combinatoire, de l'oulipianité et aussi peut-être du surréalisme, parce que ce jeu est en partie à une conséquence surréaliste que d'associer une image et un texte qui ne sont pas dédiés l'un à l'autre initialement. Initialement, voilà. Voilà. Eh bien, c'est parfait, mais nous mesurons à chaque fois un peu mieux les effets de la roulette wikipédienne, ce qui nous permet d'enchaîner avec un autre effet de la combinatoire qui est dû cette fois-ci à Eduardo Berti, qui est un petit peu au-dessus sur notre mosaïque, et qui va nous parler de haïku combinatoire. Alors, de quoi s'agit-il ? Merci Olivier. Alors, un écrivain argentin, un bon ami et écrivain d'Argentine qui s'appelle Salvador Biedma s'est mis à explorer l'art des haïkus combinatoires à la façon des 100 000 milliards de poèmes de Queneau, et je m'ai mis à explorer un peu la chose avec lui. Cela donne une sorte de version portative de 100 000 milliards de poèmes. Trois vers, bien sûr, cinq syllabes, sept syllabes, cinq syllabes, 10 options pour chacun de ces trois vers, c'est-à-dire 10 puissance 3, 1000 haïkus en total. Cela pourrait être même le titre de la chose, 1000 haïkus, une échelle modeste, hein, sans doute, une modestie digne des haïkus, ou en tout cas digne des haïkus faits en Argentine. Les 1000 haïkus pourraient se lire un par jour, ou pourquoi pas un par nuit. Sherazade pourrait les lire un après l'autre tout au long des 1000 nuits. Dans ce cas-là, elle aurait le droit à répéter un seul, mais lequel, je ne sais pas. Alors, je vais vous lire quelques haïkus combinatoires avec comme thématique Uranus, qu'en japonais, qui est la langue de l'haïku, se prononce Tenosei ou quelque chose de semblable. Petite contrainte supplémentaire, dans tous les cas, le deuxième vers des haïkus ou des haïkus Uranus, le deuxième vers commence par le mot Uranus. Et c'est la seule fois que le mot a le droit d'être présent. Il ne doit pas apparaître ni dans le premier, ni dans le troisième vers. Bon, j'ai fabriqué artisanalement la petite machine, très modeste, hein, avec les haïkus, vous voyez. Non, elle est digne de Gallimard. Hein. Elle est digne de Gallimard, oui, surtout de la première année de Gallimard. Alors, ça, c'est premier vers, deuxième, troisième. Et ça, c'est très Gallimard, surtout, vous voyez. Les dix, et ça, très important. Voilà. Ah oui, alors, ça c'est même mieux que chez Gallimard. Ça c'est même grassé, je dirais. Ouais. Oui. Oui. Alors, je vais lire un ou deux au hasard, et après je vais demander l'aide oulipienne de mes camarades. Alors, par exemple, route tranquille, Uranus me fait rêver, un oiseau est mort. Je vais lire un autre. 1000 libellules, Uranus veille sur nous. Tu sens la brume ? Voilà. Alors, je vais demander à mes camarades de donner trois chiffres entre 1 et 10. Vous avez le droit de répéter. Vous pouvez faire 1, 2, 3 ou 2, 2, 2, comme vous voulez. Par exemple, Olivier. Alors, c'est très simple.
je vais prendre 947. Et alors, le haïku correspondant. 1000 libellules, Uranus me fait rêver, je crains le pire. Quelqu'un veut, par exemple, Fred, tu veux aussi Oui, alors comme Olivier a proposé un nombre, une centaine, ça m'a donné l'idée de te demander quel était le haïku 666. Ah, l'haïku du démon, tu veux dire un peu. Oui. Attends, le 666, je veux le chercher. L'haïku de Massu. Pardon ? L'haïku de Massu. Oui, tout à fait. Alors, 6, 6 et 6. Dans le silence, Uranus arrose sa pluie, les feuilles tombent. Donc, à la place, je propose les urgences en Angleterre, 999. 999. Pardon si je me trompe de temps en temps, mais je crois que non. Attendez. 999, ça devrait donner 1000 libellules. Uranus est absent. Les ponts s'effondrent. Je vais proposer le haïku du jour. On est le 15 avril, alors le 1, 5, 4. 1, 5. Fleur de cerisier, Uranus me fait rêver, j'ai crié ton nom. Ah oui, 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 c'est très beau. C'est très, très beau, c'est très éluardien. Et peut-être pour finir, ça serait bien que, pour faire bonne mesure, que Daniel propose à son tour un dernier nombre. 10, 10, 10. Oh là là, le tout dernier. Dans la pénombre, Uranus est étourdi, mes anneaux brillent. Très bien. Voilà. Alors, il est vrai que les 6, 6, 6, 9, 9, 9 et 10, 10, 10 ont été pensés tels quels. Oui, tout à fait, c'est vrai. Voilà. Mais le 154 d'Étienne, là, était, je trouve qu'il sonnait très, très, très bien. Merci beaucoup à Eduardo pour cette nouvelle figure de la combinatoire. Et nous allons passer à un autre sonnet monorime. C'est un sonnet avec rime unique. Alors, une rime unique en hoc. En hoc. J'ai essayé de trouver des rimes un petit peu singulières, disons. Un petit peu singulières, c'est-à-dire qui provoquent quelque chose à l'oreille. Le hoc, qu'il soit du toc, T-O-C, ou qu'il soit une cloque, rime féminine, le hoc provoque forcément un petit sursaut à l'oreille. Déjà tout à l'heure, le us était intéressant à cause de ce u, u qui est assez prenant quand même quand on l'entend 14 fois. Alors voici le sonnet en hoc dont le titre est La Faim. F-A-I-M. C'est un trou dans la glace au fond duquel un phoque nage, accrochant parfois un, deux ou trois haddocks, surveillant ce rond froid, juché au haut d'un roc, un indien solitaire et droit bat la breloque. Immobile et muet, position équivoque, pied congelé attend, raide et fier comme un coq. Et ceci se passant au centre du Maroc, dans le désert glacé, loin de toute bicoque. Soleil de plomb. Soudain, l'eau faisant flic-flac-floc, l'air vibre, tandis que l'Indien retient son froc. Notre phoque aurait faim car tout est réciproque. Le peau rouge attend ça, armé d'un tomahawk, qu'il assène d'un coup. Au museau, c'est le choc. Le peau rouge est content, car ce soir, il le croque. Et toute petite note, car effectivement, je me souviens que le mot tomahawk, il y a un mot évidemment indien,
Je me souviens que ce mot, qui figure assez rarement en poésie, eh bien, ce mot sert de rime à « couac » dans l'admirable tirade aux accents rostandiens de Myriam, dite « petite couture », qui est une prostituée, dans la pièce de théâtre « Du vent dans les branches de Sassafras » de René Deobaldia, qui n'hésite donc pas à faire rimer « couac » et « tomahawk ». Voilà. Alors, fin de ce nouveau sonnet monorime, et nous passons à Frédéric Forté dans sa séquence de poèmes pour un livre d'artiste. Oui, alors Uranus, hein, le dieu latin, c'est Uranos chez les Grecs, le dieu qui symbolise le ciel étoilé. Et il se trouve que j'ai récemment écrit pour un livre d'artiste à paraître avec des lithographies du peintre Stéphane Bordarié, une série de poèmes qui parlent justement du ciel et d'objets qui y passent. Donc c'est, le lien est très tenu, mais c'est ce rapport au ciel. Ce sont 8 poèmes que vous allez entendre qui sont faits de 8 vers, et je les ai écrits avec toujours les mêmes éléments, qui sont la plupart du temps des moitiés de vers, donc que je combine à chaque fois différemment, de manière libre, un peu comme on fait des anagrammes, simplement cette fois-ci, ce sont avec des petits éléments syntaxiques. Et je m'autorise quelques petites variantes pour varier la chose. Où es-tu maintenant? Quelle mouche un baiser? Et subrepticement, fais qu'une balle courbe dans le ciel, l'air de rien, grillagé se pose. Dans les formes, il y a peu de regrets. L'air de rien, où es-tu? Dans les formes et subrepticement. Dans le ciel, quelle mouche fait qu'une balle courbe, un baiser, il y a peu, maintenant grillagé de regrets, se pose. Dans le ciel grillagé, il y a peu s'est posé quelle mouche dans les formes. Et subrepticement, un baiser maintenant fait une balle, courbe l'air de rien, de regret. Où es-tu? Il y a peu dans le ciel. Quelle mouche de regret. Où tu es un baiser fait qu'une balle courbe se pose grillagée, maintenant l'air de rien et subrepticement dans les formes. Quelle mouche maintenant dans les formes se pose? Où tu es dans le ciel, il y a peu l'air de rien. Fait d'une balle courbe de regret et subrepticement grillagée, un baiser. Il y a peu. Et subrepticement, quelle mouche se pose? Maintenant, dans le ciel, l'air de rien, un baiser. Fait une balle courbe dans les formes de regret où tu es grillagé. Et subrepticement, un baiser. Fait qu'une balle courbe de regret grillagé se pose dans les formes. Il y a peu maintenant. Où es-tu, l'air de rien? Quelle mouche dans le ciel? Grillagé de regret, dans le ciel, dans les formes, un baiser, il y a peu, fit qu'une balle courbe se posa où tu es, maintenant, l'air de rien, et subrepticement, quelle mouche! Merci. Merci beaucoup pour ces subtiles variations. C'est à la fois très mince et très délicat, je trouve. Très, très bien pour ce baiser grillagé dans l'air courbe, balle. Eh bien, nous passons aux eugmes de nouveau, car nous avons eu une impression de trop peu. Tout à l'heure, c'était « Elle m'a tapé ».
Et alors, je redonne la parole à Étienne Descroix pour une deuxième variation à propos d'un autre verbe que taper. Quel est ce verbe? Quels sont ses eugmes? Le verbe sera tirer. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter la suite de l'histoire d'Uranus. Uranus. La déesse Tellus Mater conçut Saturne, diverses divinités et du ressentiment envers Uranus, car il ne la laissait ni tranquille ni sortir des enfants. Étouffée par ses enfants, elle manquait d'air et de retenue. Elle monta sur ses grands chevaux et son fils Saturne contre Uranus. Saturne s'armade alors de patience et d'une serpette. Voilà la suite de l'histoire d'Uranus, conçue avec beaucoup de zèle, comme vous l'avez vu. Et donc, j'ai fait aussi une histoire dessinée que je vais vous montrer. J'étirais. Alors, voici. Vous la voyez? Nous voyons parfaitement. J'étirais. Je vais donc la lire. J'étirais. Le diable par la queue. Ma flemme, profit de mon charme, sa main, l'horoscope, des larmes, mon épingle du jeu, le bon numéro, le verrou, un coup, les vers de son nez, son sac à main, toujours j'étirais, hein. Le gros lot, des plans sur la comète, les choses au clair, à bout portant, ma révérence, sur le verre, la gueule, dans le tas, la langue, la pâte, à ma faim et 50 ans ferme. Waouh! Avec un subtil hommage à Fragonard, n'est-ce pas? J'ai tiré le verrou. On a bien reconnu. Bien sûr. Il me semble que Fragonard, au contraire, s'est inspiré d'Étienne Lécroix pour son fameux verrou. Merci beaucoup, Étienne Lécroix. Et si nous passions la parole à Ian Monk, dont nous n'avons pas encore entendu les textes fondateurs relatifs à Uranus. Ian. Bon, avec les amis anglophones, on s'amuse en ce moment avec les limericks. Et Daniel m'a signalé l'existence d'une forme encore plus abrégée de limerick qui s'appelle la limique. Parce que c'est encore plus petit qu'un limerick, qui n'a que quatre vers, qui riment en A, A, B, A. Donc, du coup, le troisième vers ne rime à rien, on peut ainsi dire. Donc, je me suis dit qu'on pourrait faire une sorte de séquence en faisant en quelque sorte le troisième vers qui démarre le poème suivant et qui devient le A-A-A du poème suivant. Vous voyez? Oui. Et comme je le fais souvent avec ce genre de choses, je les ai découpés pour que ça tombe jamais juste par rapport à la forme stricte. Mais on peut suivre la forme stricte si on veut. Mais ça ne fait pas vers un poème de 4 suivi d'un poème de 4. Ça fait un poème de 3 suivi d'un poème de 5, mais toujours en suivant le même schéma de rime. Le schéma de rime, si je le résume, si j'ai bien compris, le schéma de rime de ce limic, c'est A, A, B, A, B, B, C, B, T, C, D, C, etc. Et ainsi de suite. Voilà. Voilà, donc un premier essai. J'ai aussi fait le vers assez court, donc les rimes sont assez trues. Aujourd'hui, la chose qui s'étale à la éclose s'est fanée déjà. Tu
bêtement suppose que peindre un nu n'égale pas du cul, proprement dit, voyons. Lu hier soir, et si je crois ce que tu dis, j'irai droit en enfer. Pli selon pli, je m'ouvre pour faire quoi ? Plaire tout simplement ? Ou sinon, braire tu connement ? Je cause et je mens. L'un implique l'autre. Ben oui, forcément. Ben, quel bon apôtre tu es. À la vôtre, sans que ce soit vrai. Alors, à la nôtre, mais quelle plaie tu putainement fais. Alors je me lève encore, nommé, vers une vie brève. Ce matin, dans un rêve, je vis ma mort. Tout seul, je crève, bien évidemment, alors que le monde dort sur ses deux oreilles. Encore et encore, toujours pareil, le monde est un appareil tout simplement infernal. Lune ou soleil, peu importe ce qui cale ce ciel. C'est une balle diabolique, on dirait, qui nous emballe comme les rats, c'est Uranus, la vieille plaie dans un ciel de sang, piégée et puis castrée par ses chers enfants, giclant tout droit dans la terre rouge et sèche, la semence des géants. Et c'est tout. Eh oui, mais c'est tout, mais c'est très bien. C'est très bien, effectivement, c'est très astucieux de ne pas le découper 4 plus 4 plus 4 plus 4, mais comme ça, on n'entend pas tout à fait l'articulation qui a pourtant permis la composition du dit poème. Merci bien, Ian. Et c'est de nouveau la parole à Eduardo Berti, mais pour un tout autre sujet. De quoi s'agit-il, Eduardo ? Merci, Olivier. Dans le chapitre 9 de son roman « À rebours », Wiseman nous présente le personnage de Miss Urania, dont le nom semble venir plus d'Uranium que d'Uranus, une acrobate américaine qui porte ce nom. Et j'ai réécrit une partie de ce chapitre dans lequel l'héros du roman, des Essaintes, tombe sous le charme de Miss Urania. Mais il s'agit d'une version plus courte et la réécriture s'est faite à rebours, justement. Ça veut dire que j'ai employé des phrases, des bouts de phrases que j'ai pris dans le sens du texte, mais si je prenais une phrase X, la suivante, je devais la chercher avant dans le texte, et pas après. Je respectais quand j'ai pris plus d'un mot l'ordre du texte, mais toujours en cherchant avant. Bien sûr, j'ai écarté pas mal de paragraphes et pas mal de mots, et je fais mon choix, comme je disais, dans le sens contraire, ça donne un petit texte à rebours, bien entendu. Et c'est très court. Des Essaintes avaient été fascinées. C'était une petite et sèche brune, aux yeux noirs, aux cheveux pommadés, plaqués sur la tête, comme avec un pinceau, séparés par une raie de garçon, près d'une tempe. Il l'avait connue dans un café-concert où elle donnait des représentations des ventriloques, Miss Urania. Bien que le charme de sa chair fraîche, de sa beauté magnifique, eût d'abord étonné et retenu des Essaintes, il chercha promptement à esquiver cette liaison. Miss Urania était une maîtresse ordinaire, ne justifiant en aucune façon la curiosité cérébrale qu'elle avait fait naître. Fatalement, des Essaintes rentra dans son rôle d'homme. Miss Urania crut nécessaire de ne point céder sans une préalable cour. Néanmoins, elle se montra peu farouche, sachant que des Essaintes étaient riches, que son nom aidait à lancer les femmes. Un beau soir, il se résolut à séduire l'acrobate, à entrer, si faire se pouvait, dans les lèvres inconscientes de la femme. « Nous sommes voués l'un à l'autre », assurait-il. Cet échange entre Miss Urania et lui l'avait exalté. Alors, peu à peu, à mesure qu'il admirait sa souplesse et sa force, il voyait
un artificiel changement de sexe se produire en elle. Ses singeries gracieuses, ses mièvreries de femelle se développaient, en un mot, après avoir tout d'abord avoisiné la androgynie, elle semblait se ressoudre, se précisser, devenir complètement belle. C'était Miss Urania, une Américaine au corps bien découplé, aux jambes nerveuses, aux muscles d'acier, montrant des dents longues et blanches, une peau satinée, toute rose, un nez taillé en biseau, des yeux de souris, des cheveux coupés à la chien et blonds. Une goutte d'essence féminine, cristallisée avec une douceur infinie. Merci beaucoup, Eduardo. C'est assez intéressant. D'abord, il y a fort peu de personnages, à part le héros des Esseintes dans À Rebours. Et puis, c'est assez bien trouvé, car on a beaucoup lu depuis un an, paraît-il, on a beaucoup lu La peste de Camus comme étant la propagation d'un virus incontrôlable, mais on a fait très peu référence à Rebours, alors que À Rebours est le véritable roman du confinement, puisque le héros, qui est un homme dont les moyens sont sans limite, qui est un esthète, qui est un pessimiste, et qui est un misanthrope convaincu, se replie complètement chez lui avec la seule compagnie de ses majordomes et laquais pour essayer de parvenir à la quintessence de la beauté de l'esthétique, mais à ses seules fins propres pour lui-même. Et donc, c'est le véritable roman du confinement. Et je trouvais très, très bien adapté de nous avoir proposé cette lecture à rebours d'À Rebours. Alors, un dernier sonnet monorime avec une rime plus rare, une rime en ox. Alors, ce n'est pas si simple que ça. Il faut trouver 14 mots qui se terminent en ox. Mais comme j'ai dit que j'alternais les rimes masculines et féminines, ça veut dire qu'il en faut 8 en ox, masculin, et 6 en ox, O-X-E, féminin, ou le contraire. Voilà. Alors, ça s'appelle os et a nonox. Os et a nonox. Petite référence, un petit clin d'œil à Victor Hugo. Dans l'éparpillement de la vétille box, pêle-mêle des fonds, étrange paradoxe, la vaine panoplie et l'absurde équinoxe sur une table de dissection en inox. Paradigme immobile en l'effet du botox, la victime s'attend au pic du stomox. Cruelle bombination de la mouche orthodoxe au carcan bombé noir qui déjoue le flytox. Dans la joute du dire au beau reflet de boxe, pleinement ses vertus aristes contre dox, hors du cadre, mêlant la vitesse et le fox. Mais au nœud qui devait les unir, nul le ptox, vaine machination, amas hétérodoxe, que vantera l'atout en matière d'intox. Je vous remercie et si nous cédions la parole à Daniel Levin-Becker pour un travail sur la morale élémentaire. Merci Olivier. En fait, c'est plutôt une immorale élémentaire. Très bien. Un hommage à Paul Fournel. Et je vous rappelle que Queneau, l'inventeur de la forme de la morale élémentaire, avait dit que par rapport aux ressemblances entre cette forme et le Yi Qing, on est censé entendre le son d'un gong qui se déclenche entre chaque bimot. Moi, comme le gong que je me suis commandé n'est pas encore arrivé, je me permets de marquer ces pauses, pas entre tous les bimots, mais entre les strophes autrement. Vous allez voir. Uranus ectopique. Orbite excentrique. Calcul intégral. Crachat terrestre.
cornichons salés, semoule fine, étouffée sableuse, hachis brebis. Couper dans le montage si tu veux, Eduardo. Relâche hâtive, arrivage industriel, effet secondaire, franchise obscure. Huck, Belinda, Perdita, Umbriel, Titania, Cupid, Mab. Dessins animés, contrepeint niçois, orbite molle, horoscope manuscrit. Merci. Alors voilà une belle manière effectivement de dilater la morale élémentaire ou l'immorale élémentaire. Effectivement, j'ai l'impression ici que de précieuses secondes nous ont été carottées. Alors, je me donne encore la parole. J'ai réfléchi aussi un peu à Uranus. Le mois précédent, c'était Saturne qui était à l'honneur. J'avais remarqué qu'il y avait la juxtaposition d'un R et d'un N qui avait préludé à l'écriture d'un texte. Bon, dans Uranus, il y a une alternance de voyelles et de consonnes. On aurait pu faire un bel okapi, le bel okapi, c'est une succession de voyelles, consonnes, sans jamais redoubler de voyelles ni de consonnes. Mais ça n'est pas ce que j'ai fait. J'ai travaillé sur Uranus en remarquant qu'il n'y avait que deux voyelles dans Uranus et deux voyelles parmi les plus rares, enfin non pas le A, mais en tout cas le U, le A et le U. Et comme j'avais travaillé sur le bivocalisme des villes, j'ai écrit un texte sur Le Havre avec que des A et E comme unique voyelle, sur Lille avec le I et le E, sur Bruxelles et puis de même sur Montgeron. Et bien là, j'ai travaillé sur Uranus et c'est un peu plus délicat puisqu'il ne doit pas y avoir de E, le fameux lipogramme en E, ni de I, ni de O. Alors c'est un petit texte assez court que voici. Ah, Manu, ah, salut Manu, ça va? Au club à Palavas parut Arthur, un marchand ambulant, un marchand barbu fumant du hache, un gars hurlant, un hussard fracassant à la Maupassant, un gars du sud, charlatan sculptural à la Landru, marchand d'azur, l'azur, l'azur, l'azur. Arthur à Palavas, marchand d'alpaca d'Aubrac, marchand d'armagnac brûlant, marchand d'amusant cadran, marchand d'almanach bancal, marchand d'agaçant carambar, marchand d'ultra pur crapaud, marchand d'urubus, marchand d'abrupte barracuda, auparavant abattu. Un marchand hagard, pas rassurant, sa nana à la burqa, parfum rutabaga d'Uranus, sa bru à la burqa, parfum prunus, au bar à Palavas, alala, ça n'a pas plu. Pas rassurant l'Arthur, car Arthur parut Dracula abusant du sang. Ça bascula au canular fumant, au Capharnaüm alarmant. « Ah, Manu, tu as vu ça? Tu crus à l'abus, au bazar, au chahut? Pas sûr? Salut, Manu, à plus !» Voilà pour ce bivocalisme en A et U. Et nous sommes un peu sur notre fin, car nous n'avons eu que deux histoires en zeugme. Et on aimerait bien en avoir, pour clore notre lecture, une troisième, gouvernée peut-être par un nouveau verbe,
Bien sûr. Qui n'est pas tapé, qui n'est pas tiré, et d'abord la suite de l'affaire, de l'aventure d'Uranus. Uranus. Rappelez-vous, Saturne, son fils, était armé de patience et d'une serpette. Un sombre jour, Saturne entra dans une grande colère et dans la chambre de son père. Comme Uranus demandait des explications à son fils, celui-ci lui coupa la parole et les organes génitaux. Saturne jeta alors un regard de mépris à son père, Uranus, et le sexe de celui-ci dans l'océan. Aussitôt apparut la déesse Vénus qui sortait de l'ordinaire et des flots. Voilà une flopée de zeugmes, et en voici un autre dessiné par moi-même. J'ai perdu. J'ai perdu mes dents de lait, mon innocence, mon temps, ma jeunesse, la tête, ma virginité, mes illusions, pieds, la face, confiance, les occasions de me taire, son amour, patience, les pédales, mon honneur, la bataille, la tramontane, le boire et le manger, le goût de la vie, mon boulot, gros au jeu, ma réputation, mes moyens, espoir, mon sens de l'humour, mon sommeil, mes cheveux, mon lustre, la mémoire et la vie. Admirable, évidemment, admirable. Merci pour cette diminution programmée. Que signifie perdre la tramontane ? La tramontane, c'est perdre l'esprit. Perdre. Et puis, je me permets de c'est une référence à Brassens. Mais certainement. J'ai perdu la tramontane en trouvant Margot. Voilà, d'accord. Margot qui avait perdu elle-même son corsage. Eh bien, avec ce sage corps de Margot, s'achève notre lecture sur Uranus. Nous sommes désolés, nous sommes navrés de devoir vous quitter si tôt après une petite heure de lecture. On aurait bien aimé poursuivre, mais finalement, ça fait un petit tout, ça fait un bon tout, et nous serons ravis de vous retrouver au mois de mai sur la dernière planète du système solaire tel que nous le connaissons actuel, qui est Neptune. Donc, c'est Neptune qui nous réunira en mai. Et sur ce, nous vous souhaitons à tous, lecteurs, auditeurs, disséminés de par le monde et sur la planète Terre, peut-être aussi quelques lecteurs, quelques auditeurs sur Uranus, on l'espère, nous vous souhaitons un très agréable mois en espérant vous retrouver le mois prochain. Merci à tous. Au revoir.